les conseillers Pérol, c'est presque 200 personnes chez nous. Donc un métier vraiment très très important, qui est très représenté au niveau du secrétariat social. On recherche encore actuellement des conseillers Pérol pour les différents bureaux régionaux à Bruxelles et en Wallonie. Moi, ce que j'ai beaucoup apprécié surtout, c'était vraiment l'ambiance des intervenants, l'ambiance qu'ils pouvaient mettre. On sentait vraiment qu'ils essayaient de rendre ce moment plaisant pour tout le monde. Et on sent que c'est la culture entreprise qui règne au sein du CM. C'est quelque chose qu'on ne retrouve pas forcément quand on va dans des entretiens ou quand on participe à des job days. En fait, les valeurs que vous avez mises en valeur justement pendant les présentations sont vraiment représentées par le sourire des personnes, la convivialité, à quel point c'est facile d'aborder les gens. Et ça m'a vraiment convaincue. Je suis arrivée avec mon CV, avec mes diverses compétences pour en parler et voir un petit peu si justement mon profil peut correspondre au profil de conseiller Pérol. J'en sais un peu plus et puis aussi je m'intéresse à divers bureaux, donc je voulais savoir si c'était possible de postuler pour divers bureaux, ce qui est le cas, donc voilà, c'est ce que je vais faire. Il y a déjà quelques CV qui me restent en tête. On a fait nos petites annotations directement sur le CV. C'est clair que pour nous, ce sont des candidats qui gagnent quelques petits points de plus parce qu'ils montrent une motivation encore plus marquée par effectivement cette participation au job day. Donc je pense que oui, on va avoir du résultat positif et concret.